CarrefourMarket.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, on va écouter Michael Jackson, le remix par Stivok et de Thriller. Il y aura aussi Maluma dans 10 minutes. C'est les sondages du matin, comme chaque jour, les amis. Écoutez bien. Oui. Je veux faire celui-là. À la question, à quel aliment vous fait penser votre partenaire? Une femme sur trois donne cette réponse. C'est très drôle. Okay. La réponse dans moins de 10 minutes. Tout de suite, les infos. L'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un peu comme pour nous, la météo va voir sa semaine un peu coupée en deux. Jusqu'au 1er novembre, c'est le soleil qui va le plus souvent s'imposer. Ensuite, des nuages pourront faire de l'ombre dès jeudi. En attendant donc aujourd'hui un beau soleil et des températures jusqu'à 20-23 degrés. C'était la météo sur Énergie avec La Trégor, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Ail. Ça devrait bien se passer, le temps d'aller au boulot, mais ensuite attendez-vous un petit peu d'attente entre Menton et Sospel. Un des deux tubes du tunnel de Castillon va être fermé aujourd'hui, mais aussi demain, puis jeudi et vendredi. Entre 9 et 16h30, l'autre sera mise en circulation alternée. Pas de travaux pour le moment, mais une vérification de sécurité. On reste sur la route avec hier le clap de fin du deuxième e-rally de Monte Carlo. 38 participants au départ à Fontainebleau jeudi, et à l'arrivée c'est un couple du Cantal avec leur Telsa S à l'hydrogène qui l'ont emporté. Seules des voitures électriques donc à l'hydrogène participer. Le nerf de la guerre, c'était la recherche de points de recharge pour alimenter les véhicules sur un long trajet, et c'est donc mission accomplie. Les rouges et blancs se préparent à une semaine chargée avant de s'envoler pour la Turquie. L'AS Monaco va reprendre l'entraînement à la Turbie cet après-midi. Mercredi, premier match en Ligue des Champions face au Beşiktaş. À l'aller, les Turcs s'étaient imposés 2-1 au Louis II. Puis le week-end prochain, les rouges et blancs affronteront Guingamp en terre monégasque pour cette fois la 12e journée de Ligue 1. Hier soir, pour clore la 11e, Marseille a gagné en confiance. L'OM a souffert, mais l'OM a gagné. Après le nul face au PSG une semaine plus tôt, l'OM est allé battre Lille dans le Nord. La victoire 1-0, synonyme de 4e place au classement après 11 journées. Et Lyon est 3e, juste devant, juste après son succès 2-0 contre Metz. Paris reste leader devant Monaco, 2e, qui s'est largement imposé 2-0 à Bordeaux samedi. Il n'y a pas d'âge pour aimer la musique. Kungs s'emploie à le démontrer avec son dernier titre, Mormes. Dans son clip, le DJ se retrouve emporté par des passants festifs de tous âges et de tous univers. Une image intergénérationnelle qui lui tient à cœur. C'est vraiment ce que j'avais demandé pour le clip, où toutes les catégories de personnes et d'âges différentes sont réunies. Et j'essaye au maximum d'avoir des touches organiques dans mes morceaux, et je pense que c'est ce qui a fait la puissance des morceaux que j'ai fait pour l'instant, c'est que ça peut toucher des gens de 7 à 77 ans, et c'est ça qui fait que ça connecte un peu les gens. Il y a des familles qui viennent me voir des fois, où il y a des ados qui viennent avec leurs parents et ils passent tous un bon moment. Il y a pas de fracture générationnelle. C'est peut-être ça, je pense, qui fait la force de ma musique. Des propos recueillis par Morgane Dorian. Vous pouvez soutenir Kungs pour les Energy Music Awards. Il est nommé dans la catégorie DJ de l'année, nommé également au Energy DJ Awards dans la catégorie DJ français de l'année. Vous avez deux cérémonies qui arrivent donc sur la Côte d'Azur, la NMA c'est samedi à Cannes, puis les NDA le 8 au Grimaldi Forum de Monaco. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous avec Manu. Excusez-moi, pardon. Oui, il faut allumer le micro. Bah oui, mais une semaine de vacances, j'ai oublié comment ça se passait. Ouais. Putain, tous les jours, appuyez sur un bouton pour parler, quoi. Je suis épuisé. 8h35, on va écouter Michael Jackson, le remix de Thriller. C'est Steve Aoki, ça arrive pour vous dans 2 minutes. Juste après, les sondages du matin. Écoutez bien, ouais. À la question, à quel aliment vous fait penser votre partenaire? Une femme sur trois donne cette réponse. Mmh. C'est très drôle. Ouais, c'est totalement... J'aurais pas pensé ça. J'ai une petite idée. Ouais. Attendez, soyez patients, c'est dans 3 minutes. Avant ça, tant qu'on est dans les sondages, écoutez bien, on a un nouveau qui est sorti qui dit que 12% des Français avouent être déjà tombés amoureux d'une personne interdite. Alors, qu'est-ce qu'une personne interdite? Dans les exemples, il y a par exemple un prof, un patron, le mec ou la copine d'un proche. Mmh. Genre des gens, ils disent, c'est pas bien de tomber amoureux. Mmh. La question est simple, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Êtes-vous déjà tombé amoureux d'une personne interdite? Si vous voulez, je commence. Ouais. Vas-y. Ouais. J'étais tombé amoureux de la femme. Enfin non, c'était pas la femme. C'était la copine d'un boss. Ah ouais? Aïe. Ouais. Oh. Ah ouais, on a été... quoi? Ouais, ouais. T'es pas pendant quelques temps en fait, mais ça a pas duré longtemps. Mais Ouais. Hein? C'était, Le risque. Mais en plus c'était compliqué parce que c'était pas, il y avait rien d'officiel, rien d'été. Ah, c'était il y a longtemps hein. Oulala. Ah ouais. Ah ouais, j'ai pas le plus refait depuis hein. Paulette, un boss que t'aimais bien ou un boss que t'aimais pas?
Ok, ouais, ça ne dérangeait pas. Oh. Mais ouais, mais... Ça va, je l'aime. Oh, on ne juge pas, je vois. Blendu. C'est risqué pour ton emploi, quoi. C'est un coup à se faire virer s'il découvre la chose. Alors, figurez-vous que j'avais été viré. Ah. Ouais. Mais je sais pas s'il y a un rapport de cause à effet. Peut-être. Nico du web. Moi, c'était un truc que je suis pas allé au bout. Moi, c'est quand j'étais en terminale, j'étais vraiment tombé amoureux de la mère de mon ex. J'étais avec une fille en fait en terminale. Ouais, j'étais avec elle pendant 3 mois. Et un jour, en fait, je suis allé chez elle. Elle me présente sa mère. Elle était sublime. Mais vraiment très 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 belle. Oui. Et en fait elle m'adorait, elle était aux petits soins avec moi et tout, elle était hyper hyper gentille. Bah c'est une maman quoi. Hein. Ouais mais elle était très 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 très, très gentille. N'interromps pas cette histoire. Non mais du coup c'est vrai que je me remettais vachement en question parce que j'étais bien avec la fille, mais ça. Mais attends, mais il y a eu un truc avec la mère. Ah non mais moi j'ai pas pu. Je suis pas allé mais au. Mais elle aurait voulu. La mère, franchement je sais pas, mais j'ai préféré pas tenter parce qu'en plus je ne sais pas mentir. Donc au bout d'un moment je voulais plus aller chez elle et j'ai mis de la distance et j'ai préféré rompre. Et j'ai tout, et j'ai coupé complètement tous les points avec. Ah j'ai ouais jamais recroisé. T'étais à ça du fantasme de tous les mecs. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, j'ai pas tenté. C'est horrible. Paulette, il était à ça de briser le cœur d'une jeune fille surtout. En fait, c'est ah oui, j'avais oublié, pardon. C'est ça aussi. Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux d'une personne interdite? Laure? Oui, moi je suis tombée amoureuse d'un ami de ma mère. Il y a 7 ans. Et on est resté quelques mois ensemble et ça a fait mais des histoires pas possibles. Oh, ah bon, étonnant. Bah ça va, j'ai pas 12 ans. Oui, mais c'est pas comme si j'étais sortie avec un ami de ma mère. Vous aviez combien d'écart? 25 ans. Ah ouais, oh, ouais. Wow. C'est pas mal quoi. Ouais, j'avoue, ouais. C'est-à-dire qu'il est passé de range ta chambre à viens on va dans ta chambre. Pas mal. 8h38. Désolé. Steve Aoki sur Énergie, c'est Thriller. Juste après, dans 3 minutes, c'est les sondages du matin. Bienvenue, c'est lundi, on démarre la journée ensemble.